Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de te les exposer d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Aujourd'hui, on parle de Jésus qui est la bonne nouvelle et qui a annoncé la bonne nouvelle. Et ce qu'on va trouver étonnant dans le texte que nous allons découvrir de l'Évangile de Luc aujourd'hui, c'est que cette bonne nouvelle, au lieu d'être accueillie avec joie, avec, tu sais, frénésie, ben, c'est plutôt l'effet inverse. Et ça, c'est malheureux. Et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent devraient découvrir que la bonne nouvelle, c'est vraiment quelque chose de formidable. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, on en a parlé la semaine dernière, le diable, qui est le menteur, a réussi à faire croire aux gens que l'Évangile, c'était pas une bonne nouvelle, que c'était de la fumisterie, etc. Mais nous vous disons que l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, dans le texte que nous allons lire dans l'Évangile de Luc et sur lequel nous allons réfléchir pendant cette prochaine demi-heure, bien ce texte-là nous démontre que l'Évangile est vraiment une bonne nouvelle. Et toi, François, tu es allé voir les gens avec l'idée de la bonne nouvelle, justement. Oui, bien j'ai demandé, moi, Jésus, qui est une bonne nouvelle, il est une bonne nouvelle pour qui? Ah, on écoute ça. La Bible dit que Jésus, c'est une bonne nouvelle. Ça serait une bonne nouvelle pour qui? Le monde qui croit en Dieu. Pour ceux qui sont prêts à l'entendre. Pour ceux qui y croient. Pour tout le monde, là. Pour tout le monde. Tout le monde a besoin de Jésus. Pour ceux qui ont besoin d'espoir, d'après moi. Oh là là, là, vous posez des questions. Comme on voit dans la Bible, Jésus, il est venu pour tout le monde. Hein. Il est venu même pour les malportants. Pour ceux qui y croient, j'imagine. Parce que, je veux dire, ça nécessairement, il faut y croire pour considérer ça comme étant une bonne nouvelle. Toutes les personnes qui sont réceptives, ceux qui ont envie d'accueillir puis d'entendre ce que Jésus aurait apporté à dire. Jésus, il est venu pour tout le monde et pour faire du bien, quoi, normalement. Après, quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, je pense pas qu'il soit venu que pour faire du bien. Vous avez vu, même la cathédrale Notre-Dame à Paris, pourtant c'est un lieu sacré et un lieu à bien brûler, donc il aurait été là, il n'y aurait pas eu d'incendie, non? La question est un peu, on pourrait dire, tendancieuse, parce que la majorité des réponses étaient, on pourrait dire, très, très bonnes. Ouais. Mais écoute, parce que généralement, Jésus, ou j'aime pas le mot, la religion, c'est pour les faibles, c'est pour les gens pas instruits, puis on oppose toujours les gens qui sont intelligents, qui sont instruits. Ils sont comme à l'opposé, un peu comme la science et la foi. Tu sais, on dit ou on pense finalement que la science peut pas avoir de lien avec la foi. C'est un ou l'autre. Lorsque la Bible est claire, c'est pas le cas. Et Jésus est venu, pas juste pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs. Alors, il est venu pour les gens qui sont intelligents comme les gens qui sont limités. Il est une bonne nouvelle pour qui, fondamentalement? Quand les gens sont bien portants, ils oublient qu'ils ne seront pas tout le temps bien portants. Ouais. Tu comprends? Ah ouais, écoute, l'autre fois, j'ai eu une discussion avec un homme, ben, en fait, de mon âge, donc une certaine maturité. Puis, tu sais, le gars, il est bien, là. Tu sais, il vient d'être retraité, il est à l'aise, il est confortable, il est en bonne santé, il fait des voyages à chaque année. Tu sais, une vie incroyable, une belle vie. Ouais. Et puis, j'ai dit, écoute, je trouve que t'as vraiment une belle période de ta vie. Puis, le gars, il est pas croyant, là, il est pas chrétien. Puis, il me dit, ouais, mais il dit, je sais que le pire est à venir, par exemple. Et moi, j'ai trouvé que c'était criant de réalisme. Et c'est quoi son espérance? Et la question, c'est ça aussi. C'est quoi l'espérance? Jésus est qui pour nous? Il est venu pour qui, mais il est qui pour nous? Bien, c'est clair dans le texte qu'on va lire dans quelques minutes que Jésus est venu pour ceux qui se portent mal. Jésus est venu pour ceux qui ont des besoins. Mais d'une certaine façon, on est tous des gens qui se portent mal. C'est ça. Tu sais, puis on a tous des besoins à quelques niveaux, comme ton monsieur qui, pour l'instant, ça va bien, mais il sait très bien qu'à un moment donné, ça va aller moins bien. Parce que l'échéance
que ce soit, qu'on soit qui que nous veut, qu'on veut, l'échéance de la vie de l'homme, c'est la mort. Mm. Et la mort, c'est jamais quelque chose... Tu sais, parce que la mort, avant que ça arrive, très souvent, il y a une dégénérescence qui n'est pas facile. On n'a qu'à aller dans un foyer de personnes âgées le jour où on vient juste de changer les couches et on se rend compte que la mort, c'est pas facile. C'est vraiment douloureux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose de formidable après la mort. Et il est possible de mourir sans être dans ce désespoir. Jésus vient apporter une nouvelle lueur sur la mort et sur ce qui arrive après, mais aussi sur ce qui se passe dans la vie présente. Parce que l'Évangile, c'est aussi pour le temps présent. Et c'est ce qu'on va voir immédiatement après la pause en lisant notre texte. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. De la Bonne Nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.